Ah, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Vous avez demandé de l'aide? Je suis Spider-Man, au fait. Ouais, je sais. Aaron Davis. Je crois que quelqu'un a touché au capteur. Je reçois des données corrompues du relais principal en haut de Grand Central. J'y vais. Attends, attends. Quoi? Où il est, l'autre Spider-Man? Oh, il est en vacances. Mais vous en faites pas. Je gère. C'est du matos de dingue. Ça me plaît pas, mais... Les capteurs remarchent. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis occupé des types qui jouaient avec. Et on dirait qu'ils ont oublié quelques-uns de leurs gadgets. Je vais devoir vous rappeler. Je peux m'en servir pour fabriquer les holodrones que Pete a conçus. C'est l'heure d'essayer mes nouveaux holodrones. En vrai, c'est stylé, hein. C'est vraiment classe. Hop, glissade. Oh. Voilà. Là, on est parfait. Dans un timing, vraiment. Ça cache tout. Je peux peut-être les arrêter discrètement. Allez, éveillez-vous. Sorte de les séparer. Jean nous a dit de pas traîner. Ah ouais, ça prend du temps. C'était quoi ce bruit? Oui, bon, on connaît. Ça va laisser une trace. Ah, ne regarde pas. Je devrais essayer les lentilles de Peter. Cool. Maintenant, je peux les suivre. Ok. Du coup, on va regarder ça d'un peu plus près. Quoi? C'était quoi ça? C'était de justesse, mais ça passe. Ça c'est bon. Gare aux araignées, mon pote. Il m'a même pas vu. Hop. Nouvelle victoire pour Spider-Man. Faites super attention. Central s'est fait surprendre par le nouveau Spider-Man. Allez, on s'active. J'ai entendu un truc. Ok, lui on va la tirer par là. On va finir celle-là. Toi, t'es un danger, donc tout va bien. Hop, et du coup il m'en reste deux. On va essayer de les séparer. C'est quoi là-bas? Il y a quelqu'un?
Ok. Parfait. Vamos. Je les ai tous eus. Dois mettre tes rames sur les voies maintenant. Les commandes doivent être dans le bureau. Tinkerer. C'est leur chef d'après Onclaron. Oh non. Ils ont détruit les commandes. Ah ok, il fallait quand même rester à l'intérieur, ok. Je dois remettre les wagons sur les voies à la main. Ou à la toile. Il y a une plaque tournante. Faire tourner la plaque et tirer les wagons avec les toiles. Ça devrait marcher. Il faut que je l'aligne pour qu'il entre dans le tunnel. Ça marche. J'y suis presque. Ah mais non, je suis trop con, pardon. Pardon, je suis débile. Ça passe. Le carbone a l'air déterminé à mon avis. Je devrais le contacter en tant que Miles. Le père m'a jamais dit ce qui s'était passé entre eux. Ça devait être grave. Nickel. Les autres maintenant. D'abord, l'Underground cherche des cargaisons plus formes et après, il y a le métro. On peut peut-être empêcher les formes okay. D'attendre la ville. Quoi d'autre? Donc là, je fais ça. Voilà. Yes! Allez, encore un. Ah ouais, attends, ok. Ça y est, les wagons sont sur la voie. Maintenant, il leur faut du courant. Là aussi, ils ont saboté les commandes. C'est pas le générateur. Parfait. Ok, je peux m'en servir pour alimenter les trains. Enfin, j'espère. Mes toiles sont conductrices. Attends, j'ai un truc pour toi. C'est pas grand chose, mais... C'est... pour moi? C'est la moindre des choses, vu que tu viens de m'éviter de perdre mon boulot. Cool, cool. Bon ben, je m'en vais. Salut Miles, tu viens d'arriver en Europe. Comment se passe ton premier jour de Spider-Man en solo? Plutôt bien. J'ai découvert une conspiration dans mon quartier. Classique. T'as un plan? J'improvise un peu comme ça vient. Ah, tu parles comme un vrai Spider-Man. Bon, si t'as besoin de moi, je serai à l'autre bout du fil et de l'autre côté de la pensée. Mais ça ira. Ça marche. Oh, et merci pour le cadeau. C'est mortel. Tu as mérité. T'aimes ce truc-ci. Je dois y aller. Mike. Ok. Miles, la pique cartonne depuis que t'as relancé le métro. T'as trop de demandes. Comme... Oh, et celle-là vient de Théo. Il est trop cool, ce gars. Wow, faut vraiment que je regarde. Maintenant que toute la ville compte sur moi. On est l'appli la plus populaire du moment à New York. Jette un œil quand t'auras fini avec ton oncle. Il sait toujours pas qui t'es vraiment, si. J'ai failli me griller une ou deux fois. Mais j'ai tenu bon. Je regarderai l'appli dès que j'aurai terminé ici. A plus. Ok, parfait. Il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de cinématiques et tout, mais c'est normal. Je rappelle Finn quand j'aurai aidé Aaron. Oh, salut, monsieur Davis. Je suis bientôt là.
Dépêche-toi, Spider-Man. L'Underground est là. Ils mettent des bombes sur les voies. Des bombes? Sérieux? Ils ont pas dû aimer tes réparations. Je vais faire au plus vite. Accrochez-vous et surtout ne sortez pas. Ok. Il faut vite que j'arrête ça. On veut pas de toi ici. Oh la vache. On utilise ça. Bon, on est plutôt pas trop mal. Ah mais attends, faut que je m'occupe d'abord des bombes, ok. Essayons l'étoile. Je me suis débarrassé des bombes. Autour de ces types maintenant. Donc ça c'est bon. Oh la vache. Parfait. Il y en a aussi sur les voies du dessus. Ah, je m'en occupe. Non. Pourquoi j'arrive plus à voler? Là tout va bien. Allez, prends-la. Tranquille. Ouf, la vache. Là, je suis pas mal. Là, tout va bien, ouais. Ok. Toi, tu dégages. Ouah, mais non. Voilà. Ok, nickel. Salut Ewaz. Oh la vache. Non mais pourquoi il veut pas prendre la bombe? Il veut tout prendre sauf la bombe. Ok, là c'est bon. Normalement ça devrait être pas mal là. Alors hier soir vous découvrez que Lupin passe par le métro. Et aujourd'hui vous attaquez le métro. Pourquoi? Pour arrêter le Lupin, pour le voler. Ouf. Ah oui. Lui c'est que comme ça. Mais du coup je l'ai mis KO ou pas? Parce que là il y a trop de monde du coup. Là ok. Oh là là. Ça c'est archi rythmé par contre. Là on est pas trop mal. Et là on est pas trop mal. C'est bon? T'as réussi petit. Le métro est reparti et on est débarrassé de l'Underground. Tu gères. Est-ce que ça va monsieur Davis? Ouais, grâce à toi. Oh tiens, un cadeau. Une carte de métro annuelle illimitée. Merci. C'est Miles avec un seul L. Comment t'as... ok, je dois y aller. Attends, Miles. J'ai eu des soupçons en regardant le journal télé hier. Quand je t'ai vu te battre contre ces prisonniers, tu esquivais dans tous les sens. J'avais l'impression de te revoir jouer au basket avec ton père et moi. Avant, t'étais rapide. Maintenant, t'es une flèche. T'en fais pas, je dirai rien à ta mère. Promis. Promis. Regarde-toi, si ton père pouvait te voir... Il serait sûrement Furax. Il serait carrément Furax. Alors, tu vas remplacer l'autre Spider-Man? Non, je te l'ai dit, il est juste en vacances. Je vois, et il t'a confié la ville? Ouais. Une grosse responsabilité pour un gosse de ton âge. Ça me fait pas peur. J'espère. Mais écoute, si t'as besoin d'un coup de main, tu m'appelles. Je veux t'aider. Ok? Ça marche. Merci. Ah, parfait. Hé, hey, le molasson! Là-haut! L'escalier de secours est plus qu'il était! Fais gaffe en montant.
ça que tu voulais me voir ici. J'ai failli partir, t'as mis des plombes. Viens m'aider, c'est coincé. Hein ? La capsule a connu des jours meilleurs. Est-ce que tu te souviens du code ? Ouais, c'est... Attends, c'est... Sérieux ? Quand est-ce que vous allez retenir ce code ? Je serai pas toujours là pour vous le donner. On se rappellera, on se rappellera. On se rappellera, ouais, ouais. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez l'intention de mettre là-dedans ? On peut rien te dire. C'est entre Miles et moi. D'accord. C'est ça. Gardez le secret, c'est plus sûr. Eric, tu penses que tu vas accepter ce boulot chez Roxxon ? Pourquoi ? Tu veux le prendre à ma place ? Peut-être. J'attends de voir l'offre. Je vois, j'ai de la concurrence. Eh ben, c'est une bonne offre. Ils veulent que je dirige leur groupe énergie propre. Et vous me connaissez. L'énergie propre, ça sauve le monde ! J'adore mon fan club de nerd. Oh, quand on parle du loup, c'est Roxxon. Je reviens. T'as bien retenu le code, hein ? La suite de Fibonacci. Cool ! Notre prix ? Quand même, notre convertisseur d'énergie était épique. Grave. Tu crois qu'il est toujours exposé au Forum des Sciences ? J'espère. Waouh ! Regarde-nous. Les têtes de blaireaux. Eric a l'air trop cool à côté. Ouais. Il y a un problème avec lui ? Vous vous êtes disputé ? Non. Pas du tout. Phil. C'est bon, ça va. Pourquoi on s'est perdu de vue ? Merde, je suis en retard. Je dois y aller. Hé, j'ai comme l'impression qu'on se cache tous les deux des choses. La prochaine fois qu'on se voit, on se dit tout. Ok ? Ouais. Peut-être. Si t'es à l'heure. Bon, bah, plus tard, Nabo. Je te signale que je suis plus grand que toi. Pas là-dedans. Téléphone, check. Carte de métro, check. T'as pris la clé ? C'est bon, je l'ai. Dépêche, on va être en retard. Et toi, je vais mettre plein de neige dans ton costume. Au fait, tu portes ton costume ? Ouais, c'est juste au cas où. Mais tout ira bien. Allez, c'est parti. Meeting sous tension. Tu vis à Harlem. Allez au rassemblement. La meilleure bouffe en ville et la super musique. J'avoue que c'est pas mal. Qu'est-ce que tu penses de Rio Morales ? J'ai encore du mal à imaginer ma mère en figure politique. Je l'ai toujours connue comme enseignante. C'est les mêmes compétences, non ? Regrouper des gens, les éduquer, faire en sorte qu'ils ne jettent pas des trucs à la tronche. Vous voulez bien m'expliquer ? Ok. Oh, chérie. Tu t'inquiètes trop. Ouais. On a fait tout ce qu'on voulait. Ok, j'ai hâte d'en continuer. Qu'est-ce que foutent les gardes de la Roxxon ? Bonne chance, Madame Morales ! Merci, Tim. T'as vu ? Roxxon a vraiment installé une surveillance permanente partout, hein ? Ouais, c'est clair. Buenas noches, vecinos. Vous vous souvenez de ce que nous avons perdu ? Quand les bulldozers ont rasé ce quartier. Hé, hey, est-ce que ça va ? Vous le rappeler. Ouais, c'est juste que si la dernière fois, on a fait ça, mon père. Où l'on vendait les meilleures crèmes glacées de toute la ville. La garderie d'Unipero. T'inquiète pas, mon pote. Ta mère a plein de gens pour la protéger. L'église Sainte-Thérèse et sa chorale. On pouvait entendre et puis, dans toute la rue. Maintenant, t'es Spider-Man. Aujourd'hui, Roxxon fait transiter son carburant expérimental dans toute la ville. Mais il refuse de nous parler des risques.
Ce message s'adresse à Roxxon. L'homme pour qui vous travaillez, Simon Krieger, est un meurtrier. Cette plaza est un hommage à tous les crimes qu'il a commis. Je ne la laisserai pas ouvrir. L'Underground l'empêchera. On a un problème ici. On y va, reculez ! Garde son calme ! Tu peux pas t'enfuir ! Sortez vos armes ! Ils ont besoin de toi. Je vais aider ta mère. Je suis là. Vas-y. Ok. Ok, là on est bon, là on est bon. Là, esquiver de justesse. Toi, dégage. Toi, dégage. Toi, je vais t'apprendre à me tirer dessus de loin. Voilà. Parfait. Oh là là. Tombé. Quel con. Ok. Parfait. Toi, je vais te péter ta gueule. Ça va être terrible. Miles, on a réussi à rentrer. Nadja emmène ta mère à l'hôpital. Quoi? Elle est blessée? Elle s'est fait mal au bras en tombant. Prends soin d'elle, t'inquiète pas. Et toi, ça va avec l'Underground? Je sais pas pourquoi ils m'ont attaqué. Je croyais qu'ils en avaient après le mouvement. Mais il n'y en a pas sur place. Faut que je comprenne ce que veux-tu dire. Ok. Je me connecte avec des analytiques. Si jamais je peux aider. Oh là là. Merci d'avoir aidé ma mère. De rien, mon pote. Ok. Bon, je suis un peu trop touché, je trouve, mais tranquille. Ok, et du coup, l'autre il est en bas. Ok, enquêter sur l'explosion. Miles, gracias a Dios. Où es-tu? Je suis à la maison, mais je peux venir à l'hôpital. Non, tu restes à l'abri. Mais tu es blessé. Imagine qu'il t'arrive quelque chose pendant que je suis pas là. Mijo, c'est pas comme à l'hôtel de ville. Tout le monde va bien. Reste à l'abri. Quel qu'elle est, je reviens bientôt. Et je te laisserai signer mon plaque. Ok, mami. Nos vamos en casa. Miles, j'ai vu ce qui s'est passé au meeting de ta mère. Tu vas bien? T'es où? Je me dirige vers le pont Braithwaite. Il y a eu une explosion. Ok. Mais si Roxxon se pointe, tu décampes, d'accord? Ils vont chercher des coupables après ce qui s'est passé. Ils vont pas se contenter de Tinkerer. Ok. Je fais attention. On dirait que Roxxon Plaza, c'était qu'un avant-goût. Ou une diversion. On évite de se tirer dessus, ok? C'est l'uniforme qu'on veut. Ignorez tout le reste. Débarrassez-vous de lui!
Prenez tout ce que vous pouvez emporter. Ok. Bon, alors toi, mon grand. J'empêche ça d'abord, on va peut-être essayer de... Ouais. Parfait. Je gère terrible. Donc ça c'est bon. Est-ce qu'on va avoir une petite phase de QTE du coup? Incroyable.
C'est ma faute. Mes pouvoirs, je l'ai fait exploser. Tout le monde va bien. Après l'explosion, le pont s'est mis à... On a le Spider-Man en visuel. On attend les ordres. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais rien. Bien reçu. Non! Je suis pas votre ennemi! Qu'est-ce que vous faites? Il nous a sauvés! Hé, hey, laissez-le tranquille! Je filme tout! On veut ça! Range-moi ce téléphone! Rangez ce téléphone! Tout de suite! Ne la touchez pas! Dégage! Dernier avertissement! Je les ai sauvés! Où il est? Il est passé où? Non. Il est tombé? Ils l'ont poussé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Roxanne n'est pas censé être là pour nous! Ils allaient me tirer dessus! Ils m'ont même pas écouté! Est-ce que ça va? Je sais pas. Aujourd'hui, je reçois Simon Krieger pour parler de la destruction du pont Braithwaite. Écoutez, je n'ai absolument rien contre le nouveau Spider-Man, mais ça... Comment ça s'appelle? Bioélectricité. Tu veux un petit déj? Elle nous a quand même coûté du matériel de Roxanne. Et elle a détruit un pont. Roxanne, n'importe quoi. C'est pas ce qui s'est passé. C'est fine, Tinkerer. Elle a volé l'uniforme. On sait pas pourquoi. Le pont a explosé à cause de moi. Non, c'est pas de ta faute. Je sors, je vais au QG de campagne. Vous voulez que je vous rapporte quelque chose? Je peux prendre du dulce de coco? Je croyais que t'arrêterais après hier. Pourquoi j'arrêterais? J'ai dit que je me battrais pour ma maison. Et je le ferai. T'aurais pu... te faire tuer. Notre famille n'abandonne pas. Tu le sais bien. Maman? On veut bien du dulce de coco. Si... t'es d'accord. Je suis d'accord. Quand j'ai eu mes pouvoirs, j'ai cru que je pourrais régler tous les problèmes, que je pourrais faire tout ce que Spider-Man faisait. Chaque fois que tu dis Spider-Man, c'est pour parler de l'autre. C'est toi, Spider-Man. Tu peux y arriver. À ta façon. Just a moment, I'ma make it mine.